J'ai eu un rêve, comme une vision. Un 24 janvier 2009, à 7 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai écrit. J'étais assis dans le siège avant, dans une grande cathédrale, et la cérémonie a commencé, une messe, et j'ai vu un homme habillé comme un pape, des vêtements blancs et une zucchetto blanche sur sa tête. Il y avait un homme assis un peu plus loin de lui. Il donnait des ordres pour faire des merveilles. Il a pris une chaise vide du public et avec son doigt, il a fait voler la chaise dans l'air. Et les gens étaient étonnés. Ils l'applaudissaient. Puis, je me suis levé et j'étais rempli par le Saint-Esprit. Et j'ai fait la même chose avec mon doigt au nom de Jésus, comme lorsque Exode chapitre 7 versets 10 et 11, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Puis le pape était furieux contre moi, parce que je ruinais sa fête. Il a voulu descendre le feu du ciel pour me détruire, et le Seigneur m'a enlevé dans un endroit sûr, à l'étage au-dessus de la cathédrale. Il m'a protégé de lui. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 13, il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Alors le Seigneur m'a révélé que le faux prophète, qui est le dragon, viendra du Vatican. Il sera un pape. Le Seigneur ne m'a pas révélé quel pape. Et j'avais sentiment que ce ne sera pas celui d'actuel, mais un autre, sinon il m'aurait montré son visage, comme il m'a montré la bête. La plupart des cardinaux ont le droit de se présenter comme un candidat au poste de pape. Il ne faut pas adorer la bête, ni le croire, ni les prodiges de faux prophètes, qui est écrit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous savons que Rome a 7 montagnes. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.